Ramener le calme à Bani Walid, c'est la mission des forces militaires libyennes qui se dirigent actuellement vers l'ancien fief de Muammar Kadhafi. Ces derniers jours, cette ville située au sud-est de Tripoli a été le théâtre de combats qui ont fait 10 victimes. Le général en chef est prêt à se rendre à Bani Walid avec ses hommes pour préserver la sécurité et l'ordre et pour appliquer les ordres donnés lors de la conférence nationale. Les forces du nouveau gouvernement ne s'attendent pas à une résistance active de la population. En revanche, en cas de combat provoqué par des insurgés, l'armée aura le droit de riposter. Je ne pense pas que cette armée sera attaquée car elle entre dans la ville avec le consentement de la population. Si elle est attaquée, elle aura le droit de se défendre. L'armée est donc sur ses gardes car la colère est forte à Bani Walid. La mort d'Omran Chaban, un ancien rebelle décédé après 2 mois de détention à Bani Walid, a fait ressurgir des tensions. Omran Chaban était célèbre pour avoir découvert Muammar Kadhafi terré dans une canalisation à Sirte en octobre dernier.